Merci beaucoup. Il faut que je vous dise qu'à Rouen, il y a une rue qui s'appelle la rue d'Amiette. Et cette rue, elle a la particularité de n'être composée en fait que par des antiquaires et des restaurants algériens. Et la nuit, quand on va manger chez Aurélie, on passe dans la rue des antiquaires. Premier menu un peu trop cher dans la rue des antiquaires. La carte sans prendre d'entrée dans la rue des antiquités. Fauteuil importé d'Angleterre dans la rue des couscoussières. Des peintures en cadre doré dans la rue des sauces épicées. Où on passait sur les pavés de la rue Abbé de l'Épée. En soufflant des nuages en l'air pour faire semblant d'être en hiver. Mais en traversant ton quartier, c'est dans la rue des antiquaires qu'on avait choisi de traîner la mélancolie piétonnière. Il y a des restaurants ouverts dans toute la rue des antiquaires. Il y a des antiquaires fermés dans la rue des restos d'Alger, des aquariums dans la lumière. C'est la rue des soupers berbères, des clapiers dans l'obscurité. C'est la rue des antiquités, sur la place du lieutenant Aubert. Le Sidi Ibrahim dans les verres devait faire au moins 20 degrés pour faire semblant d'être en été. Mais en traversant ton quartier, c'est dans la rue des antiquaires qu'on avait choisi de traîner la mélancolie piétonnière. La fermeture hebdomadaire sur les vitrines d'antiquaires, les heures d'ouverture indiquées par des aiguilles cartonnées. Premier menu un peu trop cher dans la rue des antiquaires. On voit les restaurants fermés, ce n'est pas un congé d'été. Nous on avait déjà mangé, Aurélie avait fait brûler une pizza dans cette cuisinière à refourguer aux antiquaires. Nous on passait sur les pavés de la rue Abbé de l'Épée, en soufflant des nuages en l'air pour faire semblant d'être en hiver.